Bonjour, je suis Anne-Cécile Morayon, danseuse et pédagogue de la compagnie Tribulation. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer en famille votre boîte à danser pour vous permettre d'improviser ensemble. Sur des papiers de couleurs différentes, vous allez pouvoir y noter des thématiques. Ici, par exemple, étrange rencontre, stop, prend la pause, souffle le vent. Sur une autre couleur, des parties du corps, omoplate, bassin, ventre, tibia, côte, dos, coude, joue. À vous d'inventer en fonction des connaissances des enfants. Sur une troisième couleur, vous notez des verbes d'action. Twister, déambuler, ramper, étirer, déployer. Et puis, vous mélangez tous ces petits papiers dans une boîte. Suspendre. Chacun son tour, vous piochez un papier de chaque couleur. Ça vous donne vos trois contraintes pour pouvoir improviser. Étrange rencontre. Et enfin, vous définissez un espace scénique, une petite zone pour danser, avec une face déterminée, là où vous placez le public. Vous déterminez une position de départ, une position de fin. Vous trouvez une musique qui vous plaît et vous proposez, après un petit temps de réflexion, à chaque danseur d'improviser en utilisant les trois indications qu'il avait sur son papier. Je vous suggère de faire des improvisations de courte durée, 45 secondes, 1 minute, ça permet de condenser les mouvements. On peut également ajouter toutes les contraintes que l'on veut, on peut proposer de faire des danses à plusieurs, de faire un travail par équipe, de faire ça sous forme de battle. Et plus vous aurez des indications précises sur vos papiers, et plus le jeu sera ludique et facile. Voilà cette boîte à danser que l'on vous propose aujourd'hui. À vous de réaliser la vôtre maintenant.